de par ma vie, de par ma culture, je suis quelqu'un qui suis vraiment de la culture de la rue, je dirais. Et je me suis intéressée à comment des images pouvaient transmettre, pouvaient exprimer une puissance d'individu qui ne soit pas une relation au pouvoir, de vraiment détacher le mot puissant du mot de l'homme de pouvoir. Je suis rentrée à Arles en 1987. J'ai commencé un travail en noir et blanc. J'ai commencé dès le départ avec la chambre grand format. Assez rapidement, j'ai eu l'envie de demander aux gens certaines actions, très minimes par rapport aux personnages. C'est toujours des gens qui sont un peu loin. L'image montre vraiment une architecture, une rue, quelque chose de plus ample. Mais avec des gens qui, à certains moments, ouvrent une porte ou ouvrent une fenêtre et se mettent à la fenêtre à regarder à un endroit précis, s'accoudent sur une balustrade. J'ai déjà convoqué la mise en scène, mais c'était très juste parce qu'il me semblait qu'il y avait des gestes très justes à avoir pour traduire ces lieux d'une certaine manière. Le personnage, pour moi, c'est l'idée de cette conscience incarnée dans les images, de gens qui affirment et qui revendiquent leur singularité, qui sont en décalage un peu de ce qu'on attend d'eux. Tout ce rapport au territoire, c'est effectivement cette question de comment on vient s'inscrire dans un lieu, comment on vient de façon très autoritaire occuper un lieu ou comment on vient l'habiter, ce lieu. Ce qui m'a fait passer au cinéma, c'est le lieu de Grand Littoral. C'est ce no man's land qu'il y avait entre les cités dans lequel Grand Littoral s'est construit. En fait, je me suis rendu compte en montant sur le parking extérieur, donc tout en haut, que le paysage de ce lieu se déroulait devant mes yeux. C'est-à-dire qu'effectivement, Grand Littoral avait pris une partie de ce terrain vague, mais que d'une certaine manière, ce qui restait de ce terrain vague devenait d'autant plus puissant qu'il se confrontait de manière très très proche à cette machine du commerce. Le chantier avait commencé, donc j'ai fait déjà des images parce que j'étais très triste de la perte de ce lieu très vide entre les trois cités, parce que pour moi c'était vraiment une hétérotopie. Et j'ai vraiment choisi les gens en fonction de la différenciation de leur démarche. Grand Littoral, c'est vraiment une chorégraphie de tous ces corps qui traversent le lieu. Les sorties de bureau, alors ça c'est une... Parce que je suis quelqu'un un peu fâché avec la photographie. Parce que je trouve que l'image photographique est très présente dans nos sociétés. Et en même temps, on s'en est toujours servi non pas comme un moyen de représentation, mais vraiment comme une espèce de double du réel. C'est-à-dire qu'il faudrait croire ce qu'on nous montre. Et je l'ai commencé à New York. Je finissais une journée de prise de vue et j'étais en plus en sens inverse à ces corps qui allaient vers le métro. Et j'ai trouvé ce moment et cette situation d'une violence incroyable. Et c'était des corps vraiment mécaniques et on sentait que leur tête était ailleurs, peut-être encore dans les bureaux. La chose importante sur cette pièce, mais aussi dans le travail, c'est que je veux jamais que ce soit trop déterminé, qu'on comprenne dès la visibilité de l'image ce que j'ai voulu montrer. Donc j'ai commencé à me dire qu'effectivement, peut-être il fallait décontextualiser complètement. Parce que du coup, on rentre très vite dans la reconnaissance de ce qu'on voit. Et c'est une chose qui, pour moi, fait que l'image n'est plus du tout active en nous, dans l'imaginaire, je dirais. Ce film, à un moment donné, commence avec une image de cette femme, Tania, qui est une femme qui vit au Guatemala depuis plusieurs années maintenant, qui ne reviendra jamais en Europe, qui vivait en France, parce que c'est la première fois qu'elle se sent chez elle. C'est une femme métisse qui a vécu petite dans une campagne très raciste, qui a vécu des choses très très violentes.
Et c'est un film qui me permet, alors j'ai eu beaucoup de plaisir à monter ces séquences, qui me permet vraiment d'être presque dans une relation aux images très chorégraphiée. Depuis le début dans mon travail, il y a un rapport au musical, il y a un rapport à la danse. La danse, pour moi, elle travaille vraiment l'espace. De la même manière que dans tout mon travail, il y a une sorte d'indétermination. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Mais qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Qu'est-ce qu'elle a à dire de ça? Cette question, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Parce qu'à un moment donné, une image est très très puissante et active dans la construction de nos imaginaires. Quand elle travaille un peu en sous-couche, si elle nous montre déjà d'emblée ce qu'on doit y comprendre, pour moi, c'est une image qui ne travaille pas.